Salut mon abonné! Non, aujourd'hui je skate pas, aujourd'hui je suis de corvée de vlog, c'est marqué en dessous. Donc je vais en profiter pour faire un petit bilan 2018 et te dire ce que je prévois de faire pour 2019. Et je vais déjà commencer par dissiper un malentendu parce que là tu vas commencer à voir des tutos où est-ce qu'il y a encore un grand soleil, des feuilles aux arbres. Et il faut que tu comprennes qu'en fait les tutos comme ceux que je publie, en fait j'en fais des fois 3 ou 4 dans la même journée. Alors évidemment, je change de t-shirt entre les prises parce que comme je sue comme une vache, ça fait des grosses auréoles, c'est pas esthétique à la caméra. Alors pourquoi j'en fais plusieurs la même journée? C'est simple, il faut savoir que là où j'habite, en fait moi j'ai une fenêtre climatique assez réduite. Ça va du mois d'avril jusqu'à peu près au mois de novembre si vraiment j'ai de la chance. En fait c'est l'inverse de la Californie, tu vois. Et donc en hiver à la maison, puisque je suis sur un revêtement bois, j'ai 2-3 petits inconvénients, notamment le gel. Non, parce que le problème c'est que... quand c'est partout comme ça et que ça dégèle pas de la journée, à part des primo slides, tu peux pas faire grand chose. Enfin bref, disons qu'à la maison, j'ai plus qu'à attendre le dégel avant de pouvoir continuer à m'amuser. Mais attention, ça veut pas dire pour autant que je roule pas du tout de l'hiver, simplement je roule à d'autres endroits, que je te montrerai l'année prochaine. Avec d'autres gens, que je te montrerai aussi l'année prochaine. Donc pour me faire pardonner de ne pas être en direct à chaque fois, pour l'année prochaine, j'ai 2-3 autres trucs, mais ça je crois que je vais te l'expliquer à l'intérieur. Parce que mes explications ne seront pas plus claires si je reste dehors dans le froid. Non, c'est pas que je fasse ma lopette à partir de moins 6, simplement le problème qu'il y a, c'est qu'il commence à y avoir du givre sur la caméra. Alors oui, 2018. Alors 2018, grande prise de conscience en ce qui me concerne. J'ai pris conscience que je n'avais pas qu'un seul abonné, ce qui fait énormément plaisir, merci. Il y a eu aussi construction du skatepark, ça t'as vu, il y a eu des tutos, de tricks. On s'aventure un petit peu plus loin que l'année dernière, tout ça. Et donc maintenant, il s'agit de prévoir 2019. Alors 2019, comment je vois ça? Pour 2019, je vais commencer à te montrer d'autres parcs, d'autres spots, mais aussi et surtout d'autres gens. Alors pour plusieurs raisons, parce que déjà d'une part, j'en ai marre de voir ma tronche à l'écran, ça commence franchement à me gaver, et que j'estime que cette chaîne pourrait être beaucoup plus participative si plus de monde y participait. Et comme j'en ai un peu marre de monopoliser l'attention, place aux jeunes. Alors, pour 2019, ce que j'aimerais, c'est ta participation à toi. Parce que jusqu'ici, je reconnais que j'ai jamais demandé à personne de liker, j'ai jamais demandé à personne de partager, j'ai jamais demandé à personne de s'abonner. Et comme vous commencez à être un petit nombre, je me dis que ça pourrait être amusant d'organiser un jeu concours, enfin je vois pas pourquoi je mets des guillemets, un jeu concours, dont le règlement est le suivant. Et si on l'appelait le Primo Contest? Classe, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Allez, va pour le Primo Contest. Alors ce que j'attends de toi, mon abonné, c'est que tu m'envoies une vidéo de toi avec le tricks le plus original que tu aies. J'ai pas dit super technique, j'ai dit original. Comme ça, tout le monde a sa chance, quel que soit le niveau. Donc tu m'envoies une vidéo, je sais pas, via Facebook par exemple, sur la page Primo Skateboardel, ça sera pas mal. Chaque mois, je ferai un montage avec les tricks les plus originaux que j'aurai reçus, qui seront ensuite soumis au vote. Et le gagnant se verra remettre un t-shirt de son choix parmi l'énorme collection disponible sur la page Facebook Primo Trasher, le lien en bas. I ain't no idiot, I ain't a lady, right boy, I don't.
ça c'est une partie des t-shirts, hein. Il y en a encore d'autres qui arrivent, ça c'est ceux que j'ai déjà fait en fait. Oui, parce que quand il fait moche chez moi, que je peux pas skater, ben je fais des t-shirts, j'aime bien. Donc on part sur un concours par mois, le temps de recevoir des vidéos et de voir aussi combien de vidéos je reçois. Le tout sera de nouveau alterné évidemment par des tutos, des tricks et puis ce que je projette de faire pour 2019. Donc voilà, maintenant j'attends les images, donc ben passe de bonnes fêtes, que ton Dieu te bénisse, quel qu'il soit, et puis ben comme d'hab, démerde-toi.